Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors regardez un petit peu ce que votre papy préféré a reçu donc dans sa boîte aux lettres, pas plus tard que samedi. Un petit colis donc en provenance d'Altaya, Espagne. Colis donc comprenant les numéros 4 et 5 de la construction du fabuleux Dino Megazord. Et je vous avoue franchement que cette petite réception fait vachement plaisir, surtout que les numéros donc me sont toujours offerts, comme le stipule, voilà, la petite facture juste ici, Megazord numéro 4, numéro 5, voilà, et le tout gratuit, voilà, Kutchi a payé pour mon plus grand bonheur, et ça va me permettre également, donc pour le vôtre cette fois-ci, de pouvoir découvrir ensemble donc la construction pour commencer du numéro 4. Alors le numéro 4 qui est juste ici, voilà. Alors non, c'est le 5, autant pour moi. Voilà le numéro 4, juste ici. Alors je vais réduire un petit peu, voilà, l'image. Donc dans lequel nous avons une partie donc du tigre dents de sabre. Voilà, de cette team. Et nous voyons aussi, voilà, pas mal de petites choses en supplément. Mais donc, bah voilà, on va découvrir ça juste après. Et le numéro 5, juste ici, voilà, que je vous présenterai donc d'ici quelques jours. Voilà, numéro 4 oblige, on va commencer par celui-ci. Celui-ci vendu, donc, enfin, qui sera proposé au prix donc de 10,99 €. Voilà, je vous montre. Voilà, on n'a pas atteint tout à fait le prix fort hein, du produit, mais voilà, on a déjà de quoi faire, hein, et surtout de ce que j'ai vu et du poids, nous avons toujours donc des pièces en métal. Voilà, alors nous allons découvrir ce petit sachet. Voilà, on ouvre le tout, on jette ce vilain pub au papier et on se concentre tout de suite sur le petit fascicule avec donc le mammouth. Voilà, le mammouth en présentation. Et nous avons donc, voilà, les pièces qui sont incluses avec différents types de vis. Hein, ne vous trompez pas, vérifiez bien. Certaines vis sont très similaires, mais voilà, chaque vis a sa chaque type de vis a vraiment ses emplacements dédiés. Voilà un petit peu, donc avec toujours la notice de montage qui semble apparemment voilà, aussi simple et aisée à comprendre que pour les précédentes. Un autre bon point. Voilà, donc le résultat de ce qu'on va pouvoir composer aujourd'hui, c'est-à-dire apparemment la finition de la tête donc du Megazord et puis les deux premiers éléments donc qui seront à mettre de côté, voilà, du tigre dans le sable. Nous avons donc, voilà, un petit dans ce fascicule, une petite fiche concernée donc à Rita Repulsa, voilà, la sorcière intergalactique méchante donc de cette série, méchante qu'on trouve également dans d'autres séries et qui est malheureusement donc est décédée d'un cancer début 2000, si je ne dis pas mais de bêtises. Vraiment, elle incarnait vraiment la méchante complètement cinglée et vraiment diabolique. Voilà, façon de parler, puisqu'on reste quand même dans du Power Ranger. Mais voilà, la fameuse Rita. Voilà, avec quelques petites photos, une histoire, les anecdotes et autres sur ce personnage. Nous avons la fiche technique cette fois-ci donc de Jason, le monstre présent donc, voilà, dans l'histoire. Et puis voilà, quelques photos, tel un roman photo cette fois-ci donc avec, voilà, nos petits Power Rangers. Voilà, l'adaptation à l'écran donc qui est sortie il y a quelques années, que j'ai trouvé pas trop mal. C'était, voilà, ça se regardait. Je m'attendais à pire et finalement, non, non, c'est, voilà, ça passe bien. Et puis voilà, la télécommande avec les différentes fonctions. Alors je spoil un petit peu, hein, mais voilà, la petite télécommande donc qui permet d'avoir les yeux allumés, les yeux qui clignotent, les yeux éteints. Les yeux allumés en mode Megazord, les yeux clignotants du Megazord, les yeux éteints du Megazord, les yeux allumés du Smilodon, les yeux clignotants du Smilodon, les yeux éteints du Smilodon, les yeux allumés du Mastodonte, etc., etc. Et du Triceratops. Voilà, donc des petites lumières un petit peu partout. Ça, c'est vachement cool avec la petite télécommande qui vous a de la gueule. Et voici donc l'un des modes combinés d'assaut de notre team. Alors, je vais ouvrir dès à présent. Voilà, la petite boîte.
et son contenu. Hop, puisque c'est ça qui nous intéresse avant tout. Voilà. Alors nous avons donc cette petite télécommande. Nous avons également voilà plusieurs jeux de vis, des petits joints. Des petites, alors je sais pas si c'est des petites lamelles ou des petites rondelles pour les vis. Encore donc des petits circuits imprimés et autres de très bonne qualité, des pièces en métal, ça c'est vraiment top, alors voilà, que je ne perde pas les petites pièces. Voilà un petit peu ce que nous avons dans ce set, et nous avons donc juste ici une petit, un petit cordon USB avec voilà, sortie micro USB, donc qui va permettre je pense de pouvoir charger la batterie sans être obligé de mettre des piles. Ça c'est un excellent bon point, puisque pas de risque d'oxydation des piles, et puis voilà, si on veut le laisser dormir, on le laisse tranquille. Si un jour on veut rejouer avec, hop, on le branche, on le charge et tout ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je ne pense pas que d'autres fonctions malheureusement électroniques viennent s'ajouter par la suite. Mais bon, voilà, c'est déjà là encore une guise, un gage de qualité du produit et de finition. La télécommande est plutôt mignonne. Voilà un petit peu donc pour ce contenu, et nous allons pouvoir passer donc à présent à la fabrication donc du numéro 4, allez, c'est parti, let's go!
Et voilà donc l'assemblage du numéro 4 terminé. Donc comme on peut le constater, hein, la tête du Dino Megazord est à présent, voilà, pleinement montée. Ça c'est fait, ça fait super plaisir de le numéro 4 avoir la tête complète. Je trouve que c'est plutôt cool. En termes de poids, c'est hallucinant le poids que la tête fait. C'est voilà, c'est on a vraiment quelque chose de très lourd en main. Alors imaginez ce que ça va donner avec le corps entier. Enfin bref, voilà, c'est un truc de fou qui s'annonce. Nous avons ici donc la prise de charge micro USB, donc voilà, qui sort et qui vous permet de recharger la petite batterie de façon à allumer les yeux. Malheureusement, la télécommande ne possède pas de pile, il faut une pile 20-25 à l'intérieur, donc c'est une pile lithium plate assez grande, enfin ça fait partie des formats les plus grands d'ailleurs, hein. Donc si vous n'avez pas, sachez que le 20-12 ou le 20-16 peut également donc voilà, peut également fitter avec, mais bon la 20-25 sera en termes de puissance, hein, ben, aura une peut-être une longévité un peu plus importante. Donc malheureusement, je ne peux pas faire joujou avec, puisque voilà, nous avons le bouton d'allumage on-off qui est juste ici, mais sans la télécommande, il n'est pas possible de prévoir de programme d'allumage des yeux. Alors nous verrons après quand même ce que ça donne, voilà, en trichant un petit peu. Et puis, que dire? Voilà, vérifiez bien surtout hein, lors du montage que, voilà, une fois le montage de la tête terminé, les cornes du visage peuvent bien, voilà, se mettre vers l'arrière, hein, de façon à ce que tout soit camouflé dans le mode animal. C'est comme le jouet en fait et comme la série live. Donc voilà, premier point à bien surveiller. Et deuxième point, ne faites pas la même bêtise que moi dans la vidéo. Voilà, la notice, disons que la notice, voilà, c'est un petit peu plantée. C'est-à-dire que voilà, avant de mettre cette tige, ce cylindre fileté donc en acier à l'intérieur de la tête de façon à réunir les autres éléments, pensez surtout à mettre ce bloc-là. Voilà, sinon vous allez être obligé comme moi de redévisser pour remettre cette partie-là. Donc voilà, petite erreur que j'ai faite dans ma vidéo. Mis à part ça, donc le montage reste assez simple, hein. Nous avons la tête qui pivote. Enfin bref, voilà, le résultat est là. Et puis donc nous avons déjà une première partie de la tête donc du tigre dent de sabre. Alors c'est voilà, c'est plutôt le smilodon. Voilà, avec donc la tête également en métal. Nous avons déjà posé donc dans les premières pièces l'œil translucide, donc qui viendra s'éclairer également. Et puis donc une partie voilà du cache-oreille juste ici. Voilà donc pour ce numéro 4. Et donc voilà, j'espère bah, que cette revue, ce petit tuto de montage vous a fait plaisir, vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus pour la suite. Donc on se retrouve très vite, hein, demain ou après-demain, donc pour le montage du numéro 5. Voilà. D'ici là, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne fin de journée plutôt. N'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, donc, voilà, de cette petite vidéo et de ce petit, tuto. Merci d'avance, comme toujours, pour tous vos petits pouces bleus qui, comme vous le savez, me font toujours infiniment plaisir. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne semaine, amusez-vous bien, profitez bien, bon courage pour le boulot et surtout n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Hey, Mini-Mini-Moi, dis-moi, je pourrais avoir ton avis s'il te plaît? Ah ouais, bien sûr, qu'est-ce que je peux faire pour toi deux? Alors? Il est pas classe mon bica comme ça, hein? Avoue, ça vous a de la gueule! Oh ouais, carrément. Tataya, c'est plus fort que toi!